frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dallopio. Une cuisinière. Et oui, tu voulais parler des tableaux aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui t'envoient sur ton adresse qu'on va rappeler emeric@laquotidienne.net. Ils t'envoient des tableaux en espérant avoir des photos de tableaux de grande valeur. On n'a pas encore trouvé la transmutation des tableaux par le numérique. Mais là, en l'occurrence, on en a fait venir un en plateau d'un téléspectateur. Et on a fait venir un tableau, un plateau d'un téléspectateur. Pourquoi ? Parce que j'aimerais pouvoir vous expliquer quelques trucs et astuces pour pouvoir faire la différence entre un tableau de qualité et un tableau qui a moins de qualité. Ouais. Simon Viguier s'est rendu chez Titaille pour filmer ce tableau. Et je crois qu'il y a une petite surprise au retour du reportage. Titaille est une jeune passionnée d'art. Il y a 15 ans, chez la grand-mère de l'une de ses amies, elle tombe en admiration devant un tableau accroché au mur. Quand je l'ai vu, j'ai eu un coup de foudre pour cette dame que je trouve magnifique. Et à l'époque, je me disais un jour, j'espère pouvoir posséder un tableau pareil. Au décès de la propriétaire de cette œuvre, Titaille décide de la racheter au prix de l'expertise menée pour l'héritage, 500 euros. Une fois chez elle, un détail l'obsède. Qui est l'auteur de cette œuvre ? La signature est difficile à déchiffrer. J'ai mis un peu de temps à pouvoir déchiffrer le nom de l'artiste. Et j'ai fait plusieurs essais, Albert. J'avais fait Lingo, Lingjo, un peu de tout, jusqu'à tomber sur Albert Lynch. Et là, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet et j'ai vu qu'apparemment, c'était un peintre assez connu. Titaille poursuit ses recherches et fait une découverte qui l'intrigue. Je regardais sur Wikipédia un peu pour voir sa biographie. Et là, c'est au niveau de la date qui ne correspondait pas trop parce que d'après la biographie, il était mort au niveau de la Première Guerre mondiale, alors que le tableau date de 1943. Je commençais à avoir des doutes. En réalité, la date de décès du peintre est inconnue et diffère selon les sources. Ce tableau pourrait donc bien être authentique. Mais en l'absence d'une expertise précise, le doute persiste. Et l'expertise, vous allez la voir, Titaille, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans La Quotidienne. Merci de nous avoir amené ce tableau qui est vraiment, il fait l'unanimité, ouais. Il est superbe. Il est beau, hein. Elle est belle. Hein. Elle est magnifique. Elle est magnifique et elle est très, ce qu'on se disait, elle est très moderne à la fois. Très moderne. On a l'impression d'avoir un tableau assez récent sous les yeux. Oui. Gérard est un grand spécialiste du portrait féminin. Oui. Que penses-tu, Gérard, de ce tableau ? Je suis pas spécialiste du portrait féminin. J'aime les portraits féminins. Et j'aime celui-ci à cause de son regard, ouais, qui est extrêmement vivant. On a l'impression que la dame va parler. Mmh. C'est très agréable. Un petit côté Joconde. C'est ça, hein, ouais, ouais, c'est, on s'est tous fait la réflexion. La Mona Lisa de Titaille. Albert Lynch. Albert Lynch, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Internet. Albert Lynch, c'est un peintre péruvien qui naît au milieu du 19e siècle, en 1851. Et à cette époque-là, si on veut un petit peu percer comme artiste, il ne faut pas trop rester au Pérou, il faut partir en Europe. C'est la France, l'Angleterre, l'Italie. Et lui va étudier à l'école des Beaux-Arts, où il va être formé d'une façon académique. Il va intégrer une bande de peintres officiels qui a beaucoup de succès, les peintres pompiers qui trustent toutes les commandes publiques, toutes les commandes privées. C'est un petit peu, si vous voulez, la bande des Jeff Koons ou des Daniel Buren de l'époque. D'accord. Mais il y a un mystère que vous avez tout à fait relevé. C'est que ce peintre, Albert Lynch, il rend encore un très grand succès. Il expose au Salon en 1890, en 1892, en 1900, il a une médaille d'or à l'Exposition universelle. Et il meurt en 1912. Oui, mais ça, c'est pas sûr, c'est ça. Mais patatras, le tableau est signé de 1942. Alors, vous comme moi, nous avons fait des recherches. J'ai ouvert le Bénézit, qui est le grand ouvrage des dictionnaires des peintres. On regarde sur Internet, il y a les forums de discussion. Et vous avez fait ça, vous ? Oui, je regardais. Du coup, la date ne correspondait pas. Il y a un mystère derrière. Du coup, j'ai cherché, est-ce que Albert Lynch est vraiment mort en 1912 ou quelque chose comme ça. Et il y a eu un forum où les gens discutaient. Il n'était pas sur le Titanic, hein, Titaille. Non. C'est 1912. Vous avez vu un forum ? Oui, où les gens discutaient justement qu'ils avaient fait des investigations auprès des mairies, voir les registres de décès et tout ça. Et apparemment, il y aurait des indices vers Monaco. En Allemagne, dans les années 30, et on retrouve sa trace à Monaco. Ah. La question, c'est, votre tableau est-il authentique ? Est-ce un tableau d'Albert Lynch ? Alors, à quoi croyez-vous ou pas ? Oui. Oui, parce que le style, j'ai regardé les autres portraits qu'il a faits, c'est vraiment ressemblant, c'est la même patte. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez vraiment travaillé pour effectuer des recherches. On va le regarder ensemble, ce tableau, et si vous aussi, vous avez un tableau chez vous, posez-vous quelques questions quand vous voyez un tableau. D'abord, vous avez la dimension du tableau. Là, on a un grand tableau, Titaille, il est de grande dimension, c'est une peinture sur toile à l'huile. Quand vous avez un grand tableau, vous pouvez vous dire que déjà, c'est un peintre qui maîtrise un petit peu les formats, parce que quand on peint moins bien, on préfère peindre plus petit. Attention, quand on regarde au dos, on réalise que là,
à l'avant, la toile est ovale, tandis que derrière, la toile est rectangulaire. Donc c'est une toile rectangulaire, c'est d'ailleurs écrit en rouge sur le châssis, vous l'avez peut-être vu, cadre ovale. Une toile. Mais ça veut dire quoi? Pourquoi il faut regarder derrière? Pourquoi tu dois regarder derrière? Parce que derrière, tu as plein d'indications. D'abord, on réalise que c'est une toile qui a énormément voyagé. Le peintre n'a pas peint la toile dans ce cadre. On voit que le cadre a été rajouté, il y a des bandeaux de bois qui viennent en supplément. Et puis, on a un prénom sur le cadre, Aline. Est-ce que c'est le nom de cette femme? Peut-être. Peut-être pas, parce que ce cadre... Vous n'aviez pas vu ça? Non, c'est pas la... Aline, que vous avez ici, Aline ou Alina, c'est un prénom de femme, pourrait être le... C'est pas ça, c'est le... C'est le nom de l'ancien propriétaire. Le nom de l'ancien propriétaire. C'est toujours précieux de regarder. On sait quelle est l'histoire du tableau. Là, on voit que ce cadre a été rétréci pour pouvoir accueillir le tableau. Ouais. Le tableau a été peint sur une toile. Il avait été clouté. On voit des traces de clous anciennes auparavant sous un autre châssis. Il a été reclouté sur ce châssis-là. C'est un châssis, vous voyez, qu'on dit à clé. C'est petit taquet de bois. Quand on tape dessus, ça permet de tendre la toile. Ça indique que la personne qui l'a entoilé, que le peintre qui a pu l'acheter... C'est un peintre qui avait suffisamment de moyens pour peindre cette belle toile. D'accord. Donc ça, ça correspond. Donc c'est une toile qui a voyagé et un peintre qui a des moyens. Toile qui a voyagé, un peintre qui a des moyens. Donc ce sont des choses qui pourraient correspondre ça, avec l'idée de Albert Munch. Le fait qu'il soit allé à Monaco, tout ça, il a des moyens, c'est bon, ça colle. Ça colle. Après, il y a le style. Si ce n'est qu'il y a le style et qu'il y a la technique. Albert Munch, c'est un spécialiste du pastel. Le pastel, c'est de la poudre qu'on jette. Quand on s'approche du visage, on voit que le visage est extrêmement bien fait, extrêmement bien travaillé. Et puis derrière... Le fond, les vêtements, ça colle pas du tout. Tout à l'heure, entre deux répétitions, il y a Brahim, un maquilleur qui arrive et qui me dit « Regarde, ça, c'est très 1900, ça n'a strictement rien à voir avec le bas qui correspond complètement. » Gérard, tu me disais, même la manière d'écrire 1943, ça correspond à la manière qu'on a d'écrire et de peindre à cette époque. Est-ce que ça veut dire que ça peut être deux peintres différents ou différents ou un peintre qui maîtrise parfaitement les visages de femmes relativement évanescentes. Ah. Et puis ici, qui est moins intéressé par le décor, par le vêtement. Ça pourrait correspondre avec Albert Munch. Si c'est lui qui a peint ce tableau en 1943, il est dans sa 90e année. Eh oui. Donc, qui se concentre sur ce qu'il sait bien faire, des portraits de femmes, et puis qui laisse, pourquoi pas. Aymeric, Albert Munch, il n'a pas peint uniquement cette toile, donc on peut la comparer à son style pour voir si ça correspond. Ce que vous avez c'est fait, c'est ça qui est essentiel. Vous avez fait ça. Et du coup, Aymeric, toi aussi, tu as fait ça. Et à quoi ressemblent ces autres toiles? Albert Munch, c'est le portrait de la femme, 1900. C'est le portrait de la belle époque. Alors, c'était une époque qu'on disait belle, mais où les bombes déjà explosaient en pleine chambre des députés, il y avait des attentats en permanence, on préparait la guerre. Mais on a gardé cette idée de la belle époque et regardé les photos de tableaux d'Albert Munch qu'on a pu retrouver. D'abord, Albert Munch, il illustre un grand nombre de romans. Là, c'est La Dame aux Camélias d'Alexandre Dumas, pièce de théâtre. Là, ça va être dur de se faire une idée, là. Il fait des portraits de femmes. Regarde ce portrait de femme, une jeune fille accoudée à sa fenêtre. Elle est en train d'écrire. On s'en rapproche, Gérard. Qu'est-ce que tu en penses? Je vois la chevelure, le style de femme. Et oui. En revanche, oui, mais quand même, c'est... Oui. Et Maya, en revanche, le décor n'a rien à voir. Ah, mais rien. Oui. Puis même la technique de peinture, là, c'est plus évanescent sur le tableau, j'ai l'impression. Peut-être plus précis et réaliste sur la photo qu'on regarde cette autre image. On a un groupe de femmes qui peut te permettre encore de nous dire voilà ce que c'est que la belle époque. Les beaux bouquets de fleurs, des femmes. Ça, c'est lui aussi, c'est Albert Munch. C'est lui aussi. Ça a très peu à voir avec ce tableau-là. C'est pas tout à fait le même style. Vous les aviez vus, Titaï, ces toiles-là? J'ai vu ceux-là, mais j'en ai vu d'autres qui sont plus des portraits de jeunes filles rousses. Il y en avait beaucoup. Ça l'inspirait. Ressemble davantage à celui-ci. Qui ressemble davantage à celui-ci. Alors. Donc, à un moment, il faut trancher, Titaï. Ben oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? On décide que c'est lui ou pas lui? Alors, d'après Albert Munch est un peintre mineur. Vous avez compris qu'il y a des choses qui collent et qu'il y a des choses qui ne collent pas. Ce qui ne colle pas, c'est la taille. Je ne pense pas qu'un faussaire ait choisi de faire un faux tableau d'Albert Munch. On aurait pris un peintre plus célèbre qu'un peintre péruvien du 19e siècle. Ouais. Et puis, un faussaire aurait été malin. Il aurait ouvert son dictionnaire des peintres, comme je l'ai fait. Il aurait vu qu'il était mort en 1912. Il n'aurait pas daté de 1912, mais de 1942. Alors, ce serait un admirateur? Un admirateur d'Albert Munch, ou alors Albert Munch lui-même, vieillissant. Plus je regarde ce tableau, plus je me dis que Albert Munch a peut-être vécu, effectivement, jusque dans les années 40 à Monaco, dans l'anonymat, et que ce serait une toile de vieillesse, avec certaines maladresses, mais en même temps ce regard qui est très expressif. Toujours est-il que ce tableau, Titaï, est très différent de ce qu'on aime d'Albert Munch. On dit que tout ce qui est rare est cher, mais ça c'est beaucoup trop rare par rapport à ce qu'on aime d'Albert Munch. Ce qu'on aime d'Albert Munch, ce sont des tableaux de jeunes femmes, 1900, avec des bouquets de fleurs et un joli décor. Je crois que vous l'aviez acheté dans une succession, ce tableau. Oui. Quel prix l'aviez-vous acheté?
Ben, je l'ai dit. Vous le disiez dans le reportage. Non, vous n'êtes pas obligé. Si, vous l'aviez dit dans le reportage, quelques centaines d'euros. Quelques centaines d'euros. Alors vous avez fait une belle opération. D'abord parce que vous aimez ce tableau et qu'il continuera de vous suivre. Oui. C'est la Mona Lisa de Titaille. Ouais. Et puis ensuite, parce que, indépendamment du fait de savoir si c'est Albert Lynch de vieillesse ou bien une œuvre des années 40 d'un admirateur d'Albert Lynch, d'un suiveur, je crois qu'on peut estimer cette œuvre plusieurs milliers d'euros. Oh. Entre 2 et 4 000 euros, Titaille. Ah. Bravo. C'est une bonne nouvelle. Belle plus-value. Belle plus-value. Mais bon, vous avez pas l'intention de vous en séparer. C'est pour vous. C'est pour moi. Ah oui, donc regardez-le. Franchement, c'est super. Mais si un jour vous avez besoin de le vendre, vous nous en parlez avant. Hein. Vous allez voir Gérard, il va sortir son carnet de chèques. C'est il vous dira, écoutez, pour rejoindre ma collection. Ah, c'est étonnant, parce que normalement, tu aurais dit, vous allez voir votre commissaire-priseur. Oui, mais je sais que Gérard aime tellement les tableaux de femmes. Allez plus haut. Alors, eh ben, merci. Il y a une autre version allez du tableau, voir le sinon, si ça vous intéresse. Ah, voilà. Et là, on a vraiment quelque chose de joli. Cette version-là n'a pas de prix. Hein. Ça, c'est la Mona Lisa. Moderne, ça. La Mona Lisa merci de Thomas. Beaucoup, au monteur. Merci, Titaille, d'être venu garder donc précieusement ce tableau qui est envoûtant. Et merci, Aymeric. La semaine prochaine, ouais, les amis, instrument de musique, on va faire un tour avec un ancêtre de l'accordéon, ce sera tango. Très bien, et l'adresse aymeric@lacotidienne.net si vous avez des objets à faire expertiser par notre commissaire-priseur.